Bonjour, bienvenue dans cette deuxième partie consacrée aux méthodes, aussi appelées fonctions. Les méthodes vont nous permettre de pouvoir regrouper un bloc de code et pouvoir étudier ce bloc de code autant de fois qu'on le souhaite. Cela va permettre de pouvoir éviter à répéter du code source à l'intérieur de notre programme. Alors durant ce cours, on va apprendre à créer différentes méthodes pour pouvoir comprendre le concept des méthodes. Vous avez probablement pu le remarquer, mais durant tout ce cours, nous avons utilisé des méthodes. Dans notre dernier challenge, nous avons utilisé une méthode. Ici, cette section entière de code qui est en fait une méthode, comme son nom l'indique, main. Tout le code à l'intérieur et les déclarations forment la méthode. Donc si vous voulez exécuter la méthode, tout le code à l'intérieur va être exécuté à la suite. Dans notre dernier cours, nous avons vu la théorie concernant les méthodes. Une méthode possède un nom, peut avoir ou ne peut avoir des paramètres. Et ensuite, le corps de la méthode qui possède tout le code de notre méthode. Nous allons créer notre première méthode qui va afficher bonjour suivi du nom de l'utilisateur. Et par la suite, on va créer différentes méthodes qui aura un paramètre, plusieurs paramètres ou son paramètre. On ne peut pas mettre une méthode à l'intérieur d'une autre méthode. Il doit être à l'extérieur. Donc nous allons créer notre première méthode à l'extérieur de la méthode main. Peuples. Static. Void. Notre méthode, on va nommer user information. Ne vous inquiétez pas pour public, static et void. On en parlera beaucoup plus dans les prochains cours. Pour l'instant, gardez à l'esprit que vous devez spécifier et utiliser les termes public, static, void lorsque vous déclarez une nouvelle méthode. Tout en minuscules, séparés par des espaces, ne vous inquiétez pas de ce qui se signifie pour l'instant. Mais ce sont tous des mots-clés, comme nous l'avons vu dans les vidéos précédentes. Ceux qui sont soulignés en bleu ou orange sont des mots-clés et font partie du langage Java. Donc là, nous avons créé notre méthode userInformation. Ensuite, je vais dire qu'est-ce que cette méthode est censée faire. Cette méthode va tout simplement afficher bonjour suivi du nom de l'utilisateur. Bonjour Johnny. Bien sûr, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez ici. Mais juste pour l'exercice, on va mettre bonjour Johnny. Et n'oubliez pas de mettre les points virgules. Dans IntelliJ, les points virgules se mettent automatiquement. Maintenant, la question que vous posez, c'est comment utiliser cette méthode et comment l'appeler. Pour appeler une méthode, on utilise le nom de la méthode. C'est la raison pour laquelle le nom de la méthode doit être précis et compréhensible. Nous allons appeler notre méthode dans le main. Donc, le nom de la méthode, user information. Et n'oubliez pas de mettre les points virgule. Et maintenant, comment l'utiliser? Pour l'utiliser, il faut tout simplement exécuter notre programme. En exécutant notre programme, dans la console, on va avoir bonjour Johnny, comme indiqué bonjour Johnny dans la console. En utilisant notre méthode dans une autre méthode comme le main, nous appelons tout le corps de notre méthode, c'est-à-dire tous les programmes, tous les calls que nous allons effectuer dans le corps de la méthode vont être appelés ici. Comme vous voyez, notre méthode n'a pas de paramètres. Donc on peut déclarer une méthode sans paramètres ou avec des paramètres. Nous allons mettre un paramètre, le nom de l'utilisateur, qui est sous forme de chaîne de caractères. Et on va concaténer le nom de l'utilisateur. Là, on va exécuter notre code. Dans la console, nous allons voir une erreur. Nous avons une erreur. Cette erreur est due au fait que notre méthode que nous avons appelée ici doit aussi avoir un paramètre, étant donné que notre méthode possède un paramètre. Donc, nous allons déclarer une variable string, chaîne de caractères, que je peux l'appeler comme vous le souhaitez, maintenant, qui va être égale au nom Johnny, le nom de l'utilisateur. N'oubliez pas de mettre les points virgules. Maintenant, notre programme va fonctionner correctement, étant donné que notre méthode, qui est un paramètre, qu'on a appelé ici, possède aussi un paramètre, qui est le nom de l'utilisateur. Exécutons notre programme. Nous allons avoir le même résultat que notre code précédent. Bonjour Johnny. Sauf que là, on peut changer le nom de
de l'utilisateur, comme vous le souhaitez, on peut mettre Bismarck par exemple, sans pour autant toucher à notre méthode. Donc exécutons ce programme et on retournera bonjour Bismarck. Vous pouvez notamment rechanger, mettre ce que vous voulez. Olivier par exemple. Et on aura le même résultat. Bonjour Olivier. On peut notamment remettre une deuxième paramètre. Le 5. Prénom. De l'utilisateur. Et on va concaténer. Là, étant donné qu'on a mis deux paramètres ici, on doit aussi avoir des paramètres ici. Donc nous allons déclarer une autre variable prénom. On va l'appeler Tom. N'oublie pas de mettre les points de virgule. Et là, virgule. C'est pas une obligation de mettre le même nom de paramètre que dans la méthode qu'on a créée. On peut notamment changer, mettre pn par exemple et changer pn. Le code fonctionnera exactement pareil. Exécutons notre programme et notre console aura bonjour Olivier prénom. Bonjour Olivier, prénom Tom. Nous avons vu comment déclarer une méthode et aussi comment mettre les paramètres, comment appeler une méthode et comment exécuter une méthode. Nous allons mettre tout ça en pratique. Dans notre ancien challenge, nous avons fait en sorte de calculer le score final de l'utilisateur. Dans ce challenge, nous allons calculer le score final de l'utilisateur en utilisant une méthode, c'est-à-dire nous allons déclarer une méthode à l'extérieur de notre main. Nous allons déclarer une méthode et ensuite nous allons appeler cette méthode là dans notre main pour pouvoir calculer le score final de notre utilisateur. Donc pour résumer, vous devez créer une méthode pour pouvoir calculer le score final de l'utilisateur. N'oubliez pas d'initialiser le score final à 0 avant de pouvoir compiler votre programme. Dans les prochains cours, nous allons effectuer la correction de cette challenge.